L'Institut national de santé publique de Djibouti, l'INSPD, a mené donc ce jeudi une vaste opération d'épandage d'eau usée et de fosses septiques dans les quartiers de Saline Ouest. En effet, l'INSPD a dépêché donc une brigade de démoustication à la suite des résultats observés sur les prélèvements dans ces zones de Saline Ouest. Ces observations avaient révélé la présence précoce d'anophèles au stade 4 dans les eaux stagnantes, mais également dans les réservoirs d'eau au niveau de plusieurs chantiers en construction. Et sur le terrain, l'équipe d'entomologie et d'agents d'hygiène ont utilisé donc le procédé d'épandage en répandant au-dessus des eaux stagnantes un bio-insecticide dont l'efficacité est avérée dans l'élimination des larves de moustiques en milieu urbain et ayant un impact environnemental quasi nul. Appliqué au moment opportun, cette technique d'épandage appelée semer sec à la volée a permis d'éliminer jusqu'à 95% de larves de moustiques et d'autres insectes. L'INSPD demande donc aux propriétaires et entrepreneurs des chantiers en construction de faciliter les travaux des agents d'hygiène sur le terrain en leur donnant accès à l'emprise des chantiers.